dance, you know, I got a woman. Toujours une musique de révolte, Johnny. Le rock, c'est pas vraiment... Ça, c'est ce que les gens en Europe, principalement, ont compris, plus ou moins, du rock'n'roll, c'est que le rock'n'roll est une musique de révolte. En Amérique, ça n'a jamais été une musique de révolte. Le rock'n'roll est une musique gay, rythmée, pour des gens qui aiment danser, pour des gens qui aiment s'extérioriser dans la musique... en dansant, ça n'a jamais été une musique de voyous, comme certaines personnes l'ont dit. Il y a rock et rock, et le rock dont on parle un peu à tort et à travers aujourd'hui, comme une auberge espagnole, et sous lequel se réunissent des pancartes et des bandons un peu différentes, punk, disco, new wave, vous y croyez? Oui, il y a des punk, je vois pas pourquoi. Je vois pas pourquoi il faut se mettre une épingle pour chanter du rock'n'roll dans l'oreille. Mais, enfin, en plus, ça doit faire mal. En plus. Mais on chante un style. Il y a des groupes de punk qui sont très très bien. Par exemple, Blondie, c'est très bien. Moi, j'aime beaucoup ça. Dans les discos, il y a des mauvais discos et il y a du bon disco aussi. Il faut pas non plus tout jeter parce qu'on est rassasié, c'est vrai, à longueur de journée à la radio par des discos, mais il y a des bons discos comme il y a des mauvais discos. Par exemple, le disco fait par les Bee Gees, c'est musicalement et tout, moi je trouve ça très bien. Et de toute façon, il faut que ça existe. Il y a des gens qui aiment ça aussi. De chansons, là j'ai amené la pochette du premier 45 tours que j'ai acheté dans ma vie, ben oui, Killy Watch, Johnny Hallyday, c'était le troisième 45 tours chez Vogue. Alors je lis au verso, notre ami Johnny est maintenant la vedette, mais il n'a pas changé, il est toujours pareil, son foudroyant succès ne lui a pas tourné la tête, ses amis sont et seront toujours ses amis. 1960, c'est toujours vrai Johnny? Alors je pense que une grande partie des amis que j'ai aujourd'hui sont des amis que j'ai gardés depuis cette époque-là ou même depuis avant. Depuis 1900, enfin, quand j'ai pu sortir tout seul, dans la rue, la plupart de mes amis sont de cette époque-là, c'est vrai. Ou, en tout cas, dans les plus nouveaux, j'ai pas tellement d'amis qui sont inférieurs à, en tout cas, 8 ou 10 ans. Vous le savez bien, vous, un ami, ça n'a pas de prix. Oui, c'est vrai. Et puis, vous savez, c'est tellement difficile de trouver un ami. Les amis, ça vient, ça part. Puis, des fois, la vie, ça sépare les gens aussi. Chacun suit la route qu'il doit suivre. Puis... Alors, quand on a la chance, des fois, de rester en relation avec des amis, c'est bien. Bien, voilà, vous ne le saviez pas, mais nous, ça faisait 20 ans qu'on était vos amis, Johnny. Adelin, mon ami qui a fait le tableau, et puis moi. Bonjour. Bonjour, Johnny. Bravo. Johnny, 20 ans. 20 ans sont passés, 20 ans à venir. Comment voyez-vous votre avenir? Je ne sais pas, hein, laissez-moi respirer un peu. Là, pour l'instant, je m'en vais en vacances parce que je termine la tournée à Bruxelles. Après, je vais faire Paris et puis après, je vais faire un film avec Depardieu. Et puis après, on va voir. On s'en verra avec une voix. J'ai horreur de voir trop loin avant parce que ça coupe l'envie de faire les choses. Salut Johnny. Merci, au revoir.